sing one stanza so that those who are using English can understand. Sing it in English. English? Yeah, yeah, so that those who have an English background may learn the melody. And yes, yeah, I want her to sing one stanza in English so that those with an English background can. Ok. Je chante où je suis à l'aise, hein, donc on va changer de gamme après ça. Whom have I Lord in heaven but thee, none but thee, none but thee, and is my song through life shall be, Christ for me, Christ for me, he hath for me the wine pressed taught, he has redeemed me by his blood, and reconciled my soul to God, Christ for me, Christ for me. Is that easier? C'est bon. You catch along as we go along. Ok, vous allez prendre le train en marche. On change de gamme pour les autres. Whom have I Lord in heaven but thee? Hein? Et chante. Quel autre ciel ai-je que toi? Oh mon Dieu, mon sauveur, n'as-tu pas ouvert à ma foi les trésors de ton cœur? Tu t'es donné toi-même à moi et vivant sous ta douce loi, je ne prends de plaisir qu'en toi. Oh mon Dieu, mon sauveur, que me font les biens d'ici-bas. Oh mon Dieu, mon sauveur, y passes-tu, ne passes pas. Tu suffis à mon cœur, dans le deuil ou la pauvreté, dans l'exil ou l'adversité, tu restes ma félicité. Oh mon Dieu, mon sauveur, je serai toujours avec toi. Oh mon Dieu, mon sauveur, pour d'ici bien, non, rien ne doit m'arracher de ton corps. Les vents peuvent se déchaîner, les torrents peuvent déborder, ta grâce est mon ferme rocher. Oh mon Dieu, mon sauveur, par la main droite tu m'as pris. Oh mon Dieu, mon sauveur, par ton conseil tu me conduis. Au repos sur ton cœur, et quand viendra le dernier jour, tu mourras avec amour les portes du divin séjour. Oh mon Dieu, mon sauveur, quatre, par la main droite tu m'as pris. Oh mon Dieu, mon sauveur, par ton conseil tu me conduis. Au repos sur ton cœur, et quand viendra le dernier jour, tu mourras avec amour les portes du divin séjour. Oh mon Dieu, mon, oh mon Dieu, oh mon Dieu, mon, oh mon Dieu, oh mon Dieu, mon, oh mon Dieu, mon Dieu, mon, oh mon Dieu, mon, mon Dieu, Dieu, mon, oh mon Dieu, oh mon Dieu, mon sauveur. Chapter 8. Retournons dans Zacharie chapitre 8. From verse 18 to the end. Du verset 18 à la fin.
Those who read for us, can you come and read? Zacharie chapitre 8, versets 18 à 23. La parole de l'Éternel des armées me fut adressée en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Le jeûne du quatrième mois, le jeûne du cinquième, le jeûne du septième et le jeûne du dixième se changeront pour la maison de Juda en jour d'allégresse et de joie, en fête de réjouissance. Mais aimez la vérité et la paix. Ainsi parle l'Éternel des armées. Il viendra encore des peuples et des habitants d'un grand nombre de villes. Les habitants d'une ville iront à l'autre en disant, « Allons implorer l'Éternel et chercher l'Éternel des armées. Nous irons aussi. » Et beaucoup de peuples et de nombreuses nations viendront chercher l'Éternel des armées à Jérusalem et implorer l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront, « Nous irons avec vous. » Car nous avons appris que Dieu est avec vous. Amen. Amen. Zechariah chapter 8 from verse 18. Again the word of the Lord Almighty came to me. This is what the Lord Almighty says. The fast of the 4th, 5th, 7th and 10th months will become joyful and glad occasions and happy festivals for Judah. Therefore, love truth and peace. This is what the Lord Almighty says. Many peoples and the inhabitants of many cities will yet come. And the inhabitants of one city will go to another and say, Let us go at once to entreat the Lord and seek the Lord Almighty. I myself am going. And many peoples and powerful nations will come to Jerusalem to seek the Lord Almighty and to entreat him. This is what the Lord Almighty says. In those days, 10 men from all languages and nations will take firm hold of one Jew by the hem of his robe and say, Let us go with you, because we have heard that God is with you. Amen. Amen. Thank you. Yesterday we started trying to talk about the great promises of this fast in Zechariah. Hier, nous avons commencé à parler des grandes promesses de ce jeûne dans Zacharie. Tied to the fasting in Zechariah. Lié au jeûne dans Zacharie. In the passage we have just read. Dans le passage que nous venons juste de lire. Many peoples and inhabitants of many cities will yet come, and the inhabitants of one city will go to another and say, Let us go at once. To entreat the Lord and seek the Lord Almighty. I myself am going. Des peuples et les habitants de villes nombreuses vont encore venir. Les habitants d'une ville iront dans une autre et s'inviteront en disant, Allons, mettons-nous en route pour implorer l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, et pour rechercher sa présence. Et on leur répondra, Oui, moi aussi, je veux y aller. This internal revival. Ce réveil interne. Amongst the people of God, parmi le peuple de Dieu, is one of the things produced by this fasting. C'est l'une des choses produites par ces jeûnes. An internal revival. Un réveil interne. Many cities, many, all the believers in Israel. Plusieurs villes, tous les croyants en Israël. All the backsliding from the first love for Jesus. Tous ceux qui avaient rétrogradé de leur premier amour pour Jésus. All the backsliding from seeking God. Tous ceux qui avaient rétrogradé de la recherche de Dieu. All the backsliding from walking with God. Tous ceux qui avaient rétrogradé dans leur marche avec Dieu.
There will be a wave of seeking God. Il y aura une vague de la recherche de Dieu. That's part of what fasting triggers. Ça fait partie de ce que le jeûne déclenche. It triggers a return to God. Ça déclenche un retour à Dieu. An internal revival. Un réveil interne. At a personal level. Au niveau personnel. And at the corporate level. Au niveau du corps. And even at a translocal level. Et même au niveau translocal. A massive people movement towards God. Un mouvement massif du peuple vers Dieu. The Bible describes in Malachi a great revival. La Bible décrit dans Malachie un grand réveil. Because the ministry of Elijah is summed up as a revival. Parce que le ministère d'Élie est résumé comme un réveil. The anointing of Elijah, l'onction d'Élie, is to produce revival. Doit produire le réveil. Is to est supposé produire le réveil. Put it very simply, produire le réveil. L'onction d'Élie produit le réveil. The Bible says, la Bible dit, and in those days, en ces jours-là, I will send unto you Elijah. Je vous enverrai un nouvel Élie. Elijah. Oh, je vous enverrai Élie. He will turn the hearts of the pair of the children to their parents. Il tournera les cœurs des enfants vers leurs parents. And turn the hearts of the parents to their children. Et tournera les cœurs des parents vers leurs enfants. The anointing to turn hearts back to God and back to man. L'onction pour tourner les cœurs, pour ramener les cœurs vers les hommes et vers Dieu. The anointing to turn hearts to God and to man. L'onction pour ramener les cœurs vers Dieu et vers l'homme. I didn't say ramener, to turn. L'onction pour tourner les cœurs vers Dieu et vers l'homme. That was the ministry of Elijah. Ça c'était le ministère d'Élie. That is what is produced in revival within the people of God. C'est ce qui est produit dans le réveil parmi le peuple de Dieu. In revival. Dans le réveil. We return to God. On retourne vers Dieu. The heart goes back to its first love. Le cœur retourne à son premier amour. For the Lord Jesus. Pour le Seigneur Jésus. When revival comes. Quand le réveil vient. There is even the turning of the hearts of the children back to their parents. Le cœur des enfants tourne même vers leurs parents. All the spiritual prostitution and spiritual shopping in other ministries ends. Toute la prostitution spirituelle et le commerce spirituel dans d'autres ministères, tout cela s'arrête. Because ministries are like families. Parce que les ministères sont comme des familles. Every ministry goes through an adolescence period, like children go through an adolescence period. Tout ministère passe par une période d'adolescence, comme les enfants passent par une période d'adolescence. Every church will go through an adolescence period, like a families go through an adolescence period. Chaque église va passer par une période d'adolescence, comme une famille passe par une période d'adolescence. Chaque enfant. When children are growing up, quand les enfants grandissent, they go from the sweet angels that we give birth to. Ils passent de l'état de 12 anges auxquels nous donnons naissance.
to those dirty little pigs that disturb the whole house. À ces petits cochons sales qui dérangent toute la maison. Then they may grow up. Et puis ils peuvent grandir. Into some pretty looking things that we never believe that any photocopy from us could produce. En une chose, une jolie chose que nous ne pouvons pas croire que quelques photocopies de nous pouvaient produire. We didn't know that we could produce such lines of beauty. Nous ne pouvons pas imaginer que nous pouvions produire une telle beauté. And then, et puis, suddenly they start believing that everything wonderful is outside the house. Et subitement, ils commencent à croire que toute chose merveilleuse, tout ce qui est merveilleux, se trouve hors de la maison. Every wonderful thing is outside their house. Tout ce qui est merveilleux, c'est hors de leur maison. Every miserable thing in their life is at home. Tout ce qui est misérable dans leur vie, c'est à la maison. That's adolescence. Ça, c'est l'adolescence. It's a crisis. C'est une crise. Many parents do not handle the adolescence well. Plusieurs parents ne gèrent pas bien l'adolescence. The parents get angry. Les parents se fâchent. Frustrated. Étant frustrés. They shout more. Ils grondent plus. Only to confirm in the children's mind that did I not say that they are monsters? Juste pour confirmer dans l'esprit des enfants. En se faisant, ils confirment juste dans l'esprit des enfants. Est-ce que je n'avais pas dit ça? Ce sont des monstres. In fact, at the time when the children need the friendship of the parents the most, that is when the parents polarize them the most. Enfin, au moment où les enfants ont plus besoin de l'amitié de leurs parents, c'est à ce moment-là que les parents les polarisent plus. That's adolescence crisis. Ça, c'est la crise d'adolescence. Oui. Tu as fait les sciences. Polariser veut dire mettre dans les extrêmes, c'est-à-dire les éloigner. Comme les pôles. Comme des pôles. Pôle nord, pôle sud. Polariser veut dire que, au lieu de se rapprocher, on les éloigne. Toi tu pars au pôle nord et l'autre part au pôle sud. Ou bien toi tu prends direction sud et l'autre prend direction nord. N'est-ce pas? Polariser. Almost every teenager goes through an adolescence crisis. Presque tous les adolescents passent par une crise d'adolescence. Even the quiet ones. Même ceux qui sont calmes. Those who are very spiritual, their crisis may be less severe. Ceux qui sont spirituels, leur crise peut être moins sévère. Instead of touching the trough, they may just have a small sinusoidal, a little sinusoidal switch. Au lieu de toucher, le fond, ils peuvent juste avoir. Ils se rebellent juste un peu. Churches go through adolescence periods. Les églises passent par des périodes d'adolescence. And many pastors et plusieurs pasteurs and leaders et dirigeants, they don't handle it well, like many parents don't handle it well. Ils ne gèrent pas bien cette période, tout comme plusieurs parents ne gèrent pas bien. When you have raised your children, quand tu as élevé tes enfants, and they have grown spiritually. Ils ont grandi spirituellement. And then they start telling you. Et puis ils commencent à te dire. In our other ministry, very wonderful things are taking place. Dans cet autre ministère, des choses très merveilleuses se passent là-bas. And then you begin to feel annoyed. Et tu commences à être fâché. And begin to tell them. Et tu commences à leur dire.
We are the most wonderful ministry. Nous sommes le ministère le plus merveilleux. The child will look at you. L'enfant va te regarder. Both of you have made a mistake. Vous deux, vous avez fait une erreur. When the child says there are wonderful things happening in the other ministry. Quand l'enfant dit il y a des choses merveilleuses qui se passent dans l'autre ministère. How does he know? Comment le sait-il? He grew up here. Il a grandi ici. When you say we are the most wonderful ministry. Quand tu dis que nous sommes le ministère le plus merveilleux. You have repeated the same mistake as a child. Tu as répété la même erreur que cet enfant. How do you know? Comment le sais-tu? You have only been here. Tu n'as été qu'ici. Both of you. Vous deux. You are committing. You are an adolescent parent. Tu es un parent adolescent. That's the time to be at peace. C'est à ce moment-là qu'il faut être en paix. Just be at peace. Sois juste en paix. Every parent must learn and ask from God wisdom. Chaque parent doit apprendre et demander la sagesse de Dieu. To navigate the children through adolescence. Pour orienter les enfants à travers l'adolescence. Pour faire traverser l'adolescence aux enfants. Every parent must ask for wisdom. Chaque parent doit demander la sagesse. I did not know that churches have adolescence period in growth. Je ne savais pas que les églises avaient la période d'adolescence dans la croissance. It's Nigeria that taught me. When you are a missionary, you learn many things that you never knew. C'est le Nigeria qui m'a appris cela. Quand tu es missionnaire, tu apprends beaucoup de choses que tu ne connaissais pas. Suddenly, subitement, every wonderful thing is happening in other ministries. Tout ce qui est de merveilleux se passe dans d'autres ministères. And they wonder what is wrong with our ministry. Et ils se demandent qu'est-ce qui ne va pas avec notre ministère. I think of our daughter who asked, who wanted. There was one young guy. Il y avait un jeune gars. When we were in Lagos. Quand nous étions à Lagos. Who started turning around our daughter. Qui avait commencé à tourner autour de notre fille. A handsome little demon. un beau petit démon. And for this, our daughters who grew up in church. Et pour nos filles qui ont grandi à l'église. Who are not used to people telling them those sweet nothings. Qui ne sont pas habitués à entendre les gens leur dire ce doux rien, non-sens. Non, pas non-sens, les doux rien. Les doux rien, ces doux rien. Just when I saw you. Et quand je t'ai vu. And this guy began to work on her. Et ce gars a commencé à la calculer. À la travailler. À lui faire la cour. Et sa tête a tourné. She was a bit my friend. Comme elle était un peu mon amie. Elle est venue me dire. Told me that this thing is good. Elle m'a dit ça c'est bon, cette chose est bonne. This guy is in love with her. Ce gars-ci est tombé amoureux d'elle. And that she loves the guy. Et que elle aime ce gars. That she would not want to marry any other person apart from this one. Et qu'elle ne voudra épouser personne d'autre que celui-ci. I told her no. Je lui ai dit non. I told her you will not marry him. Et je lui ai dit, tu ne vas pas l'épouser. And he does not love you. Et qu'il ne t'aime pas. You are just a fresh girl whom he knows to be a virgin. You are just interesting. Tu es juste une fille fraîche qu'il connaît et qui sait être vierge. Tu es juste intéressante. I'm a boy. Je suis un garçon. You are a girl. Tu es une fille. You don't know. Tu ne connais pas. We know. Nous, on sait. He does not love you. Il ne t'aime pas. He's not ready for marriage. Il n'est pas prêt pour le mariage. Nothing in the head, nothing in the pocket, nothing in the heart. Rien dans la tête, rien dans la poche, rien dans son cœur. Comment est-ce qu'il va t'épouser?
said, secondly, et j'ai dit deuxièmement, he's just interested in your body. Il est juste intéressé par ton corps. Then he asked me, Daddy, et puis elle m'a demandé, Daddy, did you not tell me that when you were young, est-ce que tu m'as pas dit que quand tu étais jeune, that you used to love some sisters, et que tu aimais certaines sœurs, and that you were clean, et que tu étais propre, and that you did not have any dirty thoughts, et que tu n'avais aucune pensée sale? I said yes. J'ai dit oui. So you are the last good man that God created. Elle a dit, donc tu es le dernier bon type que Dieu a créé. After you, God did not create another good man. Et après toi, Dieu n'a plus créé un autre homme bon. When it is other boys, quand c'est les autres garçons, and your daughter, et ta fille, they are devils. Ils sont des démons. When it was your turn, et quand c'était ton tour, you were an angel. Tu étais un ange. You are the last angel. Tu es le dernier ange. It's good to be open to argue with the children. They will teach you. C'est bon d'être ouvert à discuter avec les enfants. Ils vont t'enseigner. But I knew that after the argument, she would not do it. Mais je savais qu'après les arguments, elle ne devait pas faire ça. Those who want to truly go astray don't tell you. Ceux qui veulent véritablement s'égarer, ils ne te disent rien. Ils ne te disent pas. But if it was today, mais si c'était aujourd'hui, I would not waste my time arguing. Je ne perdrais pas mon temps à discuter. I will clap for her that she has caught the eye of one guy. Je devais l'applaudir de ce qu'elle a, elle a marqué un gars. And then I will tell her. Et je lui dirai. Go and record it in your good book. Va écrire cela dans ton bon cahier. That today, qu'aujourd'hui, some guy looked at you. Un gars t'a regardé. That's the gift of admiration. Ça c'est le don de l'admiration. Put it in your Thanksgiving book. Mets cela dans ton cahier d'action de grâce. And thank God. Et remercie Dieu. It makes you feel that you are something. Ça te fait sentir que tu es quelque chose. It makes you feel like a girl. Ça te fait sentir comme une fille. Great. Bien. Thank God for it. Remercie Dieu pour cela. And then forget. Et puis oublie. Because it is a normal phase. C'est normal. Parce que c'est une phase normale. I will join her to celebrate the fact that she has caught some eye. Je me joindrai à elle pour célébrer le fait qu'elle a retenu l'attention de quelqu'un. What of me when I was young? Quand j'étais jeune. If somebody admired me, si quelqu'un m'admirait, did I not feel like a peacock and feel cool? Est-ce que je ne me sentais pas comme un dindon et me sentais bon à l'intérieur? Let her thank the Lord. Qu'elle remercie le Seigneur. And then turn to other things. Et puis qu'elle se tourne vers d'autres choses. But you see, the children will one day ask us. Mais vous voyez, les enfants vont un jour nous demander. Are you the only good ministry? Êtes-vous le seul bon ministère? God only works in your ministry. Dieu ne travaille-t-il que dans votre ministère? How will you answer? Comment est-ce que vous allez répondre? There are no answers to those questions. Il n'y a pas de réponse à de telles questions. Every African knows. Tout Africain sait. That when children are young, que quand les enfants sont jeunes, they want to go away from home. Ils veulent quitter la maison. When they are young, quand ils sont jeunes, they want to go away from their country. Ils veulent quitter leur pays. When they start growing old, quand ils commencent à prendre de l'âge, they come back home to build houses. Ils retournent à la maison pour construire des maisons. They come back to the village. Ils retournent au village. When they are young, they want to go away. When they are old, they want to come back. Quand ils sont jeunes, ils veulent s'en aller. Quand ils sont vieux, ils veulent retourner à la maison. So be very careful. Donc, faites très attention. Even though they are making as if they want to go away. Bien qu'ils fassent comme s'ils veulent s'en aller. The time will soon come. Un temps vient bientôt. When they all want to come back. Où ils voudront tous rentrer.
Don't spoil the journey back for them when they will be coming back. Ne gâte pas leur chemin retour quand ce sera le moment de revenir. Ne gâte pas leur chemin de retour quand ce sera le temps pour eux de revenir. Churches go through adolescent periods. Les églises passent par les périodes d'adolescence. When revival comes, quand le réveil vient, God normalizes people's hearts. Dieu normalise le cœur des gens. It makes them discover what is wonderful in their own father. Il les amène à découvrir ce qui est merveilleux dans leur père. He will turn the hearts of the children to their father, to their parents. Il va tourner le cœur des enfants vers leur père, leurs parents. And then he will turn the hearts of the parents to the children. Et puis il va tourner le cœur des parents vers les enfants. The parents are also foolish. Les parents sont aussi insensés. Every child is good except their own. Tous les enfants sont bons sauf leurs enfants. Oh. Always complaining. Toujours en train de se plaindre. Where do you come from? D'où viens-tu? You are the answer. You ask the question. You are the answer. Toi qui poses cette question, c'est toi la réponse. You don't know where it came from. Tu ne sais pas d'où il vient. Tell us the truth. If you committed adultery, tell us the truth today. Dis-nous la vérité aujourd'hui. Si tu avais commis l'adultère, dis-nous la vérité. Why are you asking the question? Pourquoi est-ce que tu poses cette question? You don't know where it came from. Tu ne sais pas d'où il vient. So report yourself. Donc, plains-toi contre toi-même. In revival, dans le réveil, hearts come back to God. Les cœurs retournent à Dieu. In revival, dans le réveil, hearts come back home. Les cœurs rentrent à la maison. In revival, dans le réveil, leaders begin to find that their churches, that the brethren that God has given to them are the most wonderful. Les dirigeants commencent à découvrir que les frères que Dieu leur a donnés sont les plus merveilleux. In revival, dans le réveil, we find faith, new faith in those that God has given to us. Nous trouvons la foi, une nouvelle foi en ceux que Dieu nous a donnés. The hearts of the parents to back to the children. Les cœurs des parents retournent vers les enfants. And the hearts of the children back to the parents. Et les cœurs des enfants retournent aux parents. What did you say? Cœurs des enfants retournent aux parents. In the Zachariah revival, dans le réveil de Zacharie, triggered by fasting, déclenché par le jeûne, there is a mass movement. Il y a un mouvement de masse, an internal movement, un mouvement interne, amongst the people of God, parmi le peuple de Dieu, of a return to God, d'un retour vers Dieu. A return to our first love. Un retour à notre premier amour. And the second result of the fasting. Et le deuxième résultat du jeûne is from verse 22. Se trouve à partir du verset 22. And many peoples and powerful nations will come to Jerusalem to seek the Lord Almighty and to entreat him. Et ainsi des peuples nombreux et des nations puissantes viendront rechercher la présence du Seigneur des armées célestes à Jérusalem et l'implorer. There will be the salvation of multitudes. Il y aura le salut des multitudes. Large numbers. De grands nombres. And the salvation of many nations. Et le salut de plusieurs nations. Numbers. Des effectifs. And nations. Et les nations. Large numbers. De grands effectifs. And many nations. Et plusieurs nations. A revival that will produce large numbers that are saved. Un réveil qui va produire de grands effectifs qui sont sauvés. And many nations that are penetrated. Et plusieurs nations qui sont pénétrées. For those who are familiar with what God has spoken to us as a ministry. Pour ceux qui sont familiers à ce que Dieu nous a
par ce que Dieu nous a dit en tant que ministère. God has promised to us a revival of all who are in Christian Missionary Fellowship. Dieu nous a promis le réveil de tous ceux qui sont dans la communauté missionnaire chrétienne internationale. A return to our first love for Christ. Un retour à notre premier amour pour Christ. A return to our first love for the Lord Jesus. Un retour à notre premier amour pour le Seigneur Jésus. A return to walking with the Lord. Un retour à marcher avec le Seigneur. A return to the sense of God being real. Un retour à un sens au fait de voir Dieu réel. A return. Un retour to the reality of God. À la réalité de Dieu. To living with God. À vivre avec Dieu. To walking with God. À marcher avec Dieu. To loving God. À aimer Dieu. To seeking God. À chercher Dieu. To serving God. À servir Dieu. To enjoying God. À jouir de Dieu. When I just gave my heart to Jesus. Quand j'avais juste, je venais de donner mon cœur à Jésus. I was at the age of 17. À l'âge de 17 ans. That's about 3 years after I gave my heart to Jesus. C'est-à-dire environ 3 ans après que j'avais donné mon cœur à Jésus. I was in high school. J'étais au lycée. Sometimes I just wanted to enjoy the presence of God. Quelquefois, j'avais juste envie de jouir de la présence de Dieu. I would borrow the keys of one other student in ENS. J'empruntais la clé de la chambre d'un. The keys. Les clés d'un élève à d'un étudiant à l'ENS. When he is in school. Quand il était à l'école. Then I'll go to his house. Et puis j'allais dans sa maison. Because his house was far out of town. Parce que sa maison était éloignée de la ville. I didn't used to talk much to God. Je ne parlais pas beaucoup à Dieu. Sometimes. Quelquefois. When I go there, I just want to enjoy God. Quand je m'y rendais, je voulais juste jouir de Dieu. So I would fall on my face. Donc je tombais sur ma face. Sometimes I only came back to myself. Quelquefois, je ne revenais à moi-même. After 8 hours. Qu'après 8 heures. I've said nothing. Je n'avais rien dit. Just contemplating how great God is. Juste contempler combien Dieu est grand. Contemplating how wonderful salvation was. Contempler comment le salut était merveilleux. Contemplating how marvelous the gift of forgiveness is. Contempler comment le don du pardon est merveilleux. Contemplating the righteousness that God has given to us. Contempler la justice que Dieu nous a donnée. How a criminal. Comment un criminel. Suddenly. Subitement. Can be treated as one who never committed sin. Peut être traité comme quelqu'un qui n'a jamais commis de péché. It was marvelous to me. C'était merveilleux pour moi. There were many seasons like that. Il y avait plusieurs saisons de ce genre. That we come back to our first love. Que nous retournions à notre premier amour. I've often thought that those who, one American lady told me, it said, Theodore, what you can, those who travel a lot are refined and they are educated. Une femme américaine m'avait dit, Theodore, ceux qui voyagent sont raffinés et éduqués. Those who travel a lot. Ceux qui voyagent beaucoup sont raffinés et éduqués. And then she told me. Et puis elle m'a dit that the next substitute to actually traveling. Que le prochain substitut au voyage. L'alternative. L'alternative au voyage.
is the reading of literature. C'est la lecture de la littérature. He told me. Elle m'a dit. What you cannot get from going to all the nations. Ce que tu ne peux pas obtenir en allant dans toutes les nations. You can broaden your horizons of cultivation through literature. Tu peux élargir ton horizon de culture à travers la littérature. So he told me, Theodore, read. Et donc elle m'a dit, Théodore, lis. Read. Lis. In literature, dans la littérature, you meet people and you meet places. On rencontre les gens, on rencontre les lieux. You meet a mosaic of personalities. On rencontre une mosaïque de personnalités. And you acquire culture. Et on acquiert la culture. Now I want to say. Maintenant, je veux dire. That a man who travels from nation to nation, qu'un homme qui voyage d'une nation à une autre, who meets many people, qui rencontre plusieurs personnes, and he learns a lot, et il apprend beaucoup, and he's not an animal from the zoo of his village. Il n'est pas un animal sortant du zoo de son village. The man who reads a lot of literature, l'homme qui lit beaucoup de littérature. And absorbs the personality profiles. Et absorbe le profil de la personnalité. Please. Absorbs the personality profiles. C'est-à-dire en lisant la littérature, tu étudies les différents, la manière, les caractères, le portrait des personnalités décrites. Tu es un homme de littérature. Dis alors. Donc en lisant tu absorbes la description des personnages que tu découvres dans la littérature que tu lis. Ça dit que j'ajoute. Tout comme si j'ai la possibilité de causer avec beaucoup de frères ici. Petit à petit, je vais connaître beaucoup de gens, n'est-ce pas? Dans la lecture de la littérature, tu as la possibilité de te familiariser avec des milliers de personnages. Et pour quelqu'un qui connaît apprendre, ça aura le même effet que rencontrer les gens. En temps réel. Oh, but when I came to believe, oh, mais quand j'ai cru, I began to contemplate the wonderful possibilities of traveling to heaven through prayer and communion. J'ai commencé à considérer les possibilités merveilleuses de voyager pour aller au ciel à travers la prière et la communion. The horizons that are broadened. Les horizons qui sont élargis. The mental concepts of those who commune with God. Les concepts mentaux de ceux qui communient avec Dieu. When I read Job, quand j'ai lu Job, about 1,000 years around 400 years before Abraham, environ 400 ans avant Abraham, and I look at the cosmology of the book of Job, et j'ai considéré la cosmologie du livre de Job. He talks about Pleiades. Il parle des Pléiades. Orion. Orion, de l'Orion. Arcturus. L'Actune. Arcturus. What is Arcturus in your Bible? Comment on dit Arcturus? Where this brethren? You are so holy. What chapter is it? Nine. Job 9. Good. Read it for us. Job chapter 9, verse 9.
Job chapter 9 verse 9. He is the maker of the Bear and Orion, the Pleiades and the constellations of the south. Yeah. Where else does he mention the 38 verse 31. Good. Can you bind the chains of the Pleiades? Can you loosen Orion's belt? Can you bring forth the constellations in their seasons, or lead out the bear with its cubs? Do you know the laws of the heavens? Can you set up God's dominion over the earth? When I think that this is the mental horizon of a man living 4,000 years before Christ. Quand je considère que ça c'est l'horizon mental d'un homme vivant 4000 ans avant Jésus-Christ. No telescopes. Pas de télescope. Invented. Inventé. These are the possibilities of those who know communion with God. Ça, ce sont des possibilités offertes à ceux qui connaissent la communion avec Dieu. Selfishness pins our minds to preoccupation with microcosms. L'égoïsme nous rétrécit la mémoire. What are the great possibilities of traveling to God through communion and faith and prayer? Quelles sont les grandes possibilités de voyager vers Dieu à travers la communion, la prière, la foi? How he widens the world. Comment il élargit le monde. How he makes a man big. Comment il rend un homme grand. How prayer makes people big. Comment la prière rend les gens grands. If literature educates. Si la littérature éduque. If traveling refines. Si le voyage raffine. What does prayer do? Qu'est-ce que la prière fait? What will prayer do? Qu'est-ce que la prière va faire? When a man begins to hold commerce with Almighty God. Quand un homme commence à avoir commerce avec le Dieu Tout-Puissant. How it widens us. Comment il nous a grandi. God brings us back to our first love in revival. Dieu nous ramène à notre premier amour dans le réveil. Brings us back to communion with God. Et nous ramène à la communion avec Dieu. He brings us back to worship. Et nous ramène à l'adoration. He brings us back to the knowledge of God. Et nous ramène à la connaissance de Dieu. He brings us back to the knowledge of God. Et nous ramène à la connaissance de Dieu. Makes us proud. Et nous rend fiers. To be believers. D'être des croyants. Ezra says. Esdras dit. In Psalms 119. Dans le Psaume 119. You have made me wiser than my teachers. Tu m'as rendu plus sage que mes enseignants. Because I obey your word. Parce que j'obéis à tes commandements. That is the revival that fasting triggers. Ça c'est le réveil que le jeûne déclenche. The Lord promised that there will be a revival of all in CMFI. Le Seigneur a promis qu'il y aura le réveil de tous à la CMCI.
In answer to prayer and fasting. En réponse à la prière et au jeûne. And there is going to be, the Lord has promised that there is going to be a revival in every nation in our generation. Et le Seigneur a promis qu'il y aura le réveil dans toute. A revival. Qu'il y aura un réveil dans chaque nation de notre génération. Dans notre génération. A revival that will touch every nation. Un réveil qui va toucher toutes les nations. And that is a prophecy that has come from every part of the church. C'est une prophétie qui est venue de toutes les parties de l'église. All those who have been connected to God have sensed that a revival is about to come on the earth. Tous ceux qui sont connectés à Dieu ont senti qu'un réveil est sur le point d'éclater. And the Lord spoke to us about that revival. Et le Seigneur nous a parlé de ce réveil. And the Lord asked that the people of Christian Missionary Fellowship. Et le Seigneur a demandé que le peuple de la communauté missionnaire chrétienne internationale should cooperate with him for the coming of that revival. Doivent coopérer avec lui pour ce réveil qui s'en vient. With massive fasting. Avec des jeûnes massifs. As a community that has been taught a lot on fasting. En tant que communauté, on a enseigné beaucoup au sujet du jeûne. The Lord demands from us a fasting cooperation. Le Seigneur exige de nous une coopération dans le jeûne. The revival will not concern only Christian fellowship. Le réveil ne va pas seulement concerner la communauté missionnaire chrétienne internationale. It will be a revival in all the nations. Dans toutes les nations. No denomination. Nation. A heaven revival. Envoyé du ciel. Accompanied by signs and wonders. Accompagné de signes et de prodiges. To contradict the massive outpouring of demons that perform signs and wonders. Pour contredire le flot massif des démons qui opèrent des signes et des prodiges. Through all the witchcraft and sorcery and Hinduism and all the. À travers tout toute la sorcellerie, tout l'hindouisme et tous les occultistes. Our generation has seen an onslaught of the reality of the demonic. Notre génération a vu une avalanche de sorcellerie. There has been a lot of demonic activity in our generation. Il y a eu beaucoup d'activités démoniaques dans notre génération. Through occultism. À travers l'occultisme. Through Eastern religions. À travers les religions orientales. Through Pentecostal and charismatic movements with no holiness. À travers les mouvements pentecôtistes et charismatiques sans sainteté. It's a generation of wonders. C'est une génération de prodiges. The revival that God will send. Le réveil que Dieu va envoyer. Will be a massive revival. Ce sera un réveil massif. And the Lord demands from our ministry. Et le Seigneur exige de notre ministère that our contribution be through fasting. Que notre contribution soit à travers le jeûne. And through prayer. Et à travers la prière. Through fasting. À travers le jeûne. Through massive fasting. À travers le jeûne massif. But that is the highest level of our fasting responsibility. Mais ça c'est le niveau le plus élevé de notre responsabilité dans le jeûne. There are different levels of fasting responsibility. Il y a différents niveaux de responsabilité dans le jeûne. There are different levels
Il y a différents niveaux. Il y a différents niveaux de jeûne. There is that which fasting brings at different levels. Il y a ce que le jeûne apporte à différents niveaux. The normal believer, le croyant normal, should have a 24-day fast, a 24-hour fast each week. Devrait avoir un jeûne de 24 heures chaque semaine. What does that fasting do? Qu'est-ce que ce jeûne produit? It takes away the accumulation of spiritual dust on your spirit. Ça ôte l'accumulation de la poussière spirituelle de ton esprit. Ça enlève l'accumulation de poussière spirituelle qui s'est accumulée sur ton esprit. When you go to the market, quand tu rencontres différents types de personnes, many sinners, plusieurs pécheurs, when you see a lot of dirty films, quand tu vois beaucoup de films sales, or you hear a lot of bad information, ou tu entends beaucoup de mauvaises informations, something settles on the spirit. Quelque chose se dépose sur l'esprit. Like washing a plate, comme laver un plat, and leaving it, et le laisser. Dust settles on it. La poussière s'y dépose. Like cutting pure silver, comme couper l'argent pur. The surface immediately oxidizes. La surface s'oxyde immédiatement. And there is a layer. Et il y a une couche. The spirit of man, l'esprit de l'homme, is more sensitive than silver. Est plus sensible que l'argent. It fixates on the world. Ça se fixe. Le monde se fixe sur ça. Le monde se fixe là-dessus. Constant weekly fasting, un jeûne hebdomadaire constant, sharpens the spirit. Aiguise l'esprit. So that the conscience is more alert. De sorte que la conscience est plus alerte. Your communion with God and the ability to sense God's presence is sharpened. Et ta communion avec Dieu, la possibilité, la capacité de sentir la présence de Dieu est aiguisée. Your intuition, your ability to be correct, spiritually correct. Ton intuition, ta capacité d'être spirituellement correct, is sharpened, est aiguisée. If it stays for long, si ça dure longtemps, even if you fast many fast of 40 days, même si tu jeûnes plusieurs jeûnes de 40 jours, if you lack this frequent one day fast, s'il te manque ce jeûne fréquent d'un jour, your spirit will grow dull. Ton esprit va devenir bête. Ton esprit va s'endormir. Your spirit will grow dull. Ton esprit ton esprit va s'émousser. Ton esprit va s'émousser. Yes. Your spirit will grow dull. Ton esprit va s'émousser. Your conscience will not be sharp and alert. Ta conscience sera plus tranchante et alerte. Your power to tell yourself no will be weakened. Ta puissance pour te dire non, ta capacité de te dire non sera affaiblie. Your power to tell other people when they are doing wrong, no, stop it, will become dull. Ta capacité de dire à d'autres personnes non quand ils font ce qui est mauvais, cela sera émoussé. You just, there is laxity. Il y aura le laxisme. And heaviness. Et la lourdeur. Your confusion, you will be more confused. Tu seras plus confus. Plus embrouillé. Tu seras plus embrouillé.
That weekly fast, ce jeûne hebdomadaire, for sharpening, pour l'aiguisement, is critical. Est critique. Any leader who goes for long without it, tout dirigeant qui passe un long temps sans pratiquer cela, will discover, va se rendre compte. If he is an honest leader, s'il est un dirigeant honnête, he will postpone many decisions that he needs to take. Il va renvoyer, il va ajourner, il va reporter plusieurs décisions qu'il aura à prendre. Because he does not sense the rectitude, the inner rectitude inside. Parce qu'il ne ressent pas la rectitude intérieure. But if he is not an honest man, mais s'il n'est pas un homme honnête, he will speak from his mind. Il va parler à partir de sa tête, de son esprit. And commit a lot of blunder. Et faire beaucoup, et commettre beaucoup de gaffes. Judging on the basis of what he sees, and on the basis of what he feels, and on the basis of what he hears. Jugeant sur la base de ce qu'il sent, ressent, de ce qu'il voit, et de sur la base de ce qu'il entend. And he will make many mistakes. Il va faire beaucoup d'erreurs. And his spiritual life. Et sa vie spirituelle. A lot of energy will be invested to cover grounds that had already been covered. Beaucoup d'énergie sera investie pour couvrir le terrain qui était déjà, pour chercher à couvrir le terrain qui était déjà couvert. What do I mean? Qu'est-ce que je veux dire? Listen. Écoutez. A leader must make very few mistakes. Un dirigeant doit faire très peu d'erreurs. Not because he's a leader. Pas parce qu'il est un dirigeant. But because errors are costly. Mais parce que les erreurs sont coûteuses. If you make a mistake and you carry people like this, si tu fais une erreur et tu entraînes des gens comme ça, and then it is here, et c'est ici, at this level, à ce niveau-ci, that you have a fresh encounter with God, que tu as une rencontre fraîche avec Dieu, and you discover that you have made a mistake, et tu te rends compte et tu découvres que tu as fait une erreur, you have to go far. Il faut que tu montres. Convince the people again to move with you like this. Convainc à nouveau les gens pour qu'ils te suivent comme ça. And if you make another mistake, et si tu fais encore une autre erreur, make 10 mistakes, people will lose their power to follow you. Si tu fais 10 erreurs, les gens vont perdre leur capacité de te suivre. Do not believe you. Ils ne vont pas te croire. You are erratic. Tu es un hérétique. Ah, tu fais des erreurs, tu es erratique. Amener les frères à marquer les pas sur place. No spiritual leader has a right. Aucun dirigeant spirituel n'a ce droit. If you don't know where you are going, si tu ne sais pas où tu es en train d'aller, why should anybody on this earth follow you? Pourquoi quelqu'un dans ce monde devrait-il te suivre? To demand that because people are members of the church. They are supposed to manage. That submission means swallowing their stupidity and their confusion. That's not it. Si je dis parce que les gens sont dans ton église, la soumission suppose qu'ils doivent avaler la stupidité. Ça, ce n'est pas le leadership. The spiritual leader is supposed to move. Le dirigeant spirituel est supposé avancer. We have a very spiritual leader in Nigeria. Nous avions un dirigeant. We had one a sleepy president. Une fois nous avions un président dormeur au Nigeria. He hardly signed decision. Il signait rarement une décision. He just sleep. Il dort juste. And one day he ate apple from Indian girls and died. Et un jour il a mangé la peau d'une fille indienne et il était mort. And in Lagos, people came out to dance. Et à Lagos, les gens sont sortis pour danser. After the man died before, on the very day that he died, people came out to dance. Je n'avais jamais vu un homme mourir. Et le jour même, les gens sortent pour danser. On the road. En route. That day, if you wanted to drink, people were offering others drink. Si tu voulais boire, les gens offraient quoi aux gens? Because that president has died. Parce que ce président a été mort. On est venu. Le jour même où il est mort. People get this one. Les gens s'échangeaient des noms. If there is a sluggish leader.
si tu es un dirigeant nonchalant, toujours en train de dormir, le jour où les frères vont apprendre que tu es mort, ils vont s'échanger des présents. The leader is expected to have rectitude. Le dirigeant est supposé avoir la rectitude. Correctness. La rectitude. Correctness in his spiritual knowing. La rectitude dans sa, son savoir spirituel. And he's supposed to move. Elle est supposée avancer. At the speed of God. Au rythme, à la vitesse de Dieu. Without that fasting. Sans ce jeûne-là. Without this constant fasting, sans ce jeûne constant, l'esprit esprit sera nonchalant. And he will be sluggish about taking decisions. Et sera nonchalant dans la prise de décision. Sluggish about moving. Nonchalant dans le mouvement, dans l'action. Sluggish. Nonchalant. And if there are zealous people in the church, et s'il y a des gens zélés dans l'église, you will have problem with the zealous. Il aura le problème avec ceux qui sont zélés. And you will call those who are zealous rebels. Et va appeler ceux qui sont zélés des rebelles. Meanwhile, pourtant, he is the one that has abandoned leadership. C'est lui qui a abandonné le leadership. God does not give us people's lives so that we will mess them up. Dieu ne nous donne pas la vie des gens afin que gâtions leur vie. God does not give us people's lives. Dieu ne nous donne pas la vie des gens. So that we slow them down. Pour que nous les ralentissions. We don't have that right. Nous n'avons pas ce droit-là. Nobody has a right to come and commit himself to me and go nowhere. Personne n'a le droit de venir s'engager à moi et n'aller nulle part. So the constant witness. Donc le jeûne est de manière constante. And the abundant spending of time in God's presence. Et le temps abondant passé dans la présence de Dieu. It sharpens the mind. Ça aiguise l'esprit. And it sharpens the mind. Ça aiguise la pensée. And it sharpens the spirit. Et ça aiguise l'esprit. To produce spiritual rectitude. Pour produire la rectitude spirituelle. To produce facility of judgment. Pour produire la facilité dans le jugement. To produce discernment. Pour produire le discernement. To produce righteousness. Pour produire la justice. To produce buoyancy of spirit. Pour produire un esprit brillant. Buoyancy. Pour produire un esprit léger qui ne sombre pas. Un esprit léger qui ne sombre pas. Like football. Comme le football. When it's full of air. Quand c'est plein d'air, le ballon. You cannot push it under water. On ne peut pas pousser le ballon dans l'eau. It will float. Ça va rebondir à la surface. Flotter. Ça va flotter. The leader must have a floating spirit. Le dirigeant doit avoir un esprit qui flotte. Problems must not easily come and sink him. Les problèmes ne doivent pas venir facilement le faire sombrer. It is imperative. Il est impératif. It is to help those who have problems. C'est pour aider ceux. It is to help those who have problems. S'il doit aider ceux qui ont des problèmes. Then. Alors. His rebound capacity must be very high. Sa capacité de rebondir doit être très haute, très élevée. Wow. Qui m'a compris? Ça c'est le minimum. Ça c'est le minimum. It is a survival fast. Ça c'est un jeu de survie. Alors, je vais être très honnête avec vous. Whether you practice religiously. Que tu le pratiques religieusement, or you practice it with knowledge, ou que tu le pratiques avec la connaissance, those who do not have that weekly fast,
Ceux qui n'ont pas ce jeûne hebdomadaire, they will pass very long before they realize that something has happened. Ils vont retrograder longtemps avant de se rendre compte que quelque chose leur est arrivé. Those who are that fast, ceux qui ont ce jeûne, will discover that their consciences are alive. Vont découvrir que leurs consciences sont vivantes. Éveillées. There's a lot of haughtiness. Il y a beaucoup de lourdeur. In spiritual leaders. Dans les dirigeants spirituels. In older believers. Dans les croyants aînés. That comes from backsliding from us. Qui provient de la régression dans le jeu. When a man is coming at us. Quand un homme est en train d'avoir ce jeu. He takes many decisions in a short time. And it's correct. Il prend plusieurs décisions en un temps record, en un court terme, et il est correct. Il peut répondre à 1000 lettres en une semaine. Et être correct. Parce que son esprit est éveillé. Mais quand tu ne déguises pas, je vous assure. Anesthésie. Tu vas tourner autour d'une lettre comme quelqu'un qui est sous anesthésie. What do you need very much in the headquarters? Let me seek the Lord. Brother, what does the school of knowing and serving God need now, most urgently? Let me seek the Lord. Tu vas juste être nonchalant. Moi, les choses, on vient te demander, par exemple, le fait de est-ce qu'on peut apporter quelques sortes? Tu as dit, c'est ce que je cherche le Seigneur. On dit, frère de l'or, de quoi est-ce que l'école, la connaissance du service déjà a besoin et jamais maintenant? Laissez que je cherche le Seigneur. Qui m'a compris? Tu es comme paralysé à l'intérieur, infime à l'intérieur. Parce que ton esprit n'est pas à l'aise. Tes émotions ne sont pas à l'aise. Your children ask for this, you postpone. Tes enfants demandent quelque chose, tu renvoies plus tard. Your wife says, please, will you kiss me today? You say, no, I am not in the mood. Et ta femme demande, oh, est-ce que je vais donner des désordres? Tu dis, non, je ne suis pas le bon humeur. Get in the mood. Mets-toi dans les humeurs. Why are you old? Pourquoi est-ce que tu es Dieu? A old, heavy, sluggish, stupid, vieux, lourd, pesant. Stupide, ignorant. Why? Pourquoi? You have stopped fasting. Tu as cessé de jeûner. Fasting clears the air. Le jeûne libère, dégage l'air. Who has understood me? Qui m'a compris? Constant fasting clears the air. Le jeûne constant dégage l'air. It gives you a sharp capacity to know people. Ça te donne une capacité aiguë de connaître les gens. And to speak with confidence. Et de parler avec assurance. And to know and to be spiritually correct. Et d'être spirituellement correct. It is survival fasting. C'est le jeûne de survie. Tu comprends maintenant? Quand tu voulais, c'est pour ça que je ne voulais pas que tu arrêtes ça. Parce que tu vas entrer aussi dans une douleur. Tu sens. Tu sais de quoi tu parles. Moutonisme.
si prévenu devant qui pour être alerte. L'église a si on ne prend pas le temps pour être utilisé, l'éducation va enchaîner et plus il y a beaucoup de gens dans l'église, plus l'église va tourner à pas parce qu'ils ne veulent pas, c'est parce qu'ils sont lasses. Ils sont lasses. C'est, il dit, c'est small fast. C'est un petit jeûne. Il dit, c'est very small fast. C'est un très petit jeûne. Mais il chapit. Mais ça aiguise. Il chapit, c'est chapit. Ça aiguise, ça aiguise. Il lightened. Ça allège. It makes you float. Et ça te fait flotter. It makes you able to enjoy the barbecue. Ça te fait avoir l'appétit de manger. Instead of being an old man because you have three problems. Au lieu d'être un vieil homme parce que tu as eu trois problèmes. Tu as entendu. Parce que tu as entendu trois problèmes. Tout le monde fait comme ça, comme tu fais là. Tu es un jeune homme, tu fais comme ça. Comme si tu es comme un we must come back to that regular fast. Il nous faut retourner à ce jeûne régulier. To lighten up. Pour nous alléger. To make the conscience clear, sharp. Pour rendre notre conscience claire, aiguë. To give you the power to turn your head away from when you see a negative man. The power either to do the second time or turn your head. Come from that sharp conscience. Just turn the head and you continue your walk with God. Look a second time and you lose God for 10 days. Quand tu vois une femme, c'est de détourner ta tête, de ne pas donner ce deuxième regard. Ça vient de ce jeûne. Yes, I know what I'm talking about. Je sais de quoi this je suis en train de parler. This is the whole matter of walking with God. Ça, c'est toute la question walking de marcher God avec Dieu. There are a thousand decisions that all it takes is turn the head away, say a no now, and it ends it, and you go on. And make a mistake. Look a second time, you will spend the next week coming back to God, like a slow snail. And when you have many of those kind of things in 1 year, you will forget what the call of God means. Qui a compris? Qui comprend ce que je suis en train de décrire là? No, I want some brethren to pray. I've described it in many, many ways. And I think the brethren understand what I'm talking about. Je veux que quelques frères prient. That sharpness, that sharpness. J'ai décrit ça de plusieurs manières. Et je crois que les frères comprennent. Cette acuité. For some of you, pour certains d'entre every vous, problem is makes you so you worry until you are just about to die. Every small problem you want to die. Tout petit problème, tu te fais de soucis tellement que tu veux mourir. Tout petit problème, tu veux mourir. That fasting, ce jeûne, keeps your spirit alert. Maintient ton esprit alerte. The power to throw away a problem and go on. La capacité de jeter un problème et continuer. But when the spirit is weak, mais quand l'esprit est faible, every problem, tout problème, you sink. Tu sombres. It's as if there is no strength. C'est comme s'il n'y a pas de force. Que quelques frères prient. Je te dis merci. Seigneur, je prie pour te dire que j'ai compris. Et je retourne, Seigneur, je viens à cette discipline de survie, Seigneur, spirituelle. Seigneur, je reviens. Je ne vais pas me faire prier, Seigneur, parce que le besoin est réel. Oh, Seigneur éternel, merci encore. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est que mes oreilles entendent. Ce que tu m'apprends ce soir, ce que j'écoute ce soir, ô Seigneur. Oh, me donne tout simplement, ô Seigneur, envie de gêner, ô Seigneur, toute ma vie. Ô Seigneur, parce que toutes les qualités,
ces qualités que je désire, ô Seigneur Père éternel. Ce soir, tu me montres, Seigneur. Oh, que ces qualités, Seigneur, sont dans ce jeûne, ô Père éternel. Ô Seigneur, j'ai tout simplement, ô Père éternel, envie de dire, oh, que je vais jeûner, Seigneur, toute ma vie. Ô Père éternel, Seigneur, merci pour ce que mes oreilles entendent. Seigneur, merci pour ce que mes oreilles entendent. Ô Seigneur, Seigneur, je dis merci. Et je prends tout simplement, ô Seigneur, l'engagement, ô Père éternel. Ô, de redoubler, Seigneur, Père éternel. Ô Seigneur, ma force à jeûner, ô Père éternel. Seigneur, je passe, Seigneur, ô du simple au triple. Ô Seigneur, Père éternel. Seigneur, je prends cet engagement ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ô Seigneur. Seigneur, reçois toute l'honneur et la louange de ce que mes oreilles entendent et de ce que j'ai appris au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Not for me, Lord. Thank you because you want to sharpen my spirit. Thank you, oh Lord. Thank you. Thank you because you want to make me able to take decisions on the spot when they are needed, Lord. Lord, I say thank you and I commit myself, Lord, to this weekly fast. Oh Lord, to have a light spirit. Lord, I pray that you come with me, oh Lord, in Jesus' name. Amen. There's a lot to say that we, for which we may not have time. Yeah. Il y a beaucoup de choses à dire et pour lesquelles nous pourrons ne pas avoir du temps. When I gave my heart to Jesus, quand j'avais donné mon cœur à Jésus, I started taking 3 24-hour fasts every week. J'avais commencé à prendre 3 jeûnes de 24 heures chaque semaine. On Monday, les lundis, it was to pray for my leaders. C'était pour prier pour mes dirigeants. For Brother Zach, pour le frère Zach. For Brother Emmanuel, pour le frère Emmanuel. For Brother Joe Mbafor, pour le frère Joe Mbafor. For Papa Togo, pour Papa Togo. And when I was in Kumba, et quand j'étais à Kumba. For Papa Ebako, pour Papa Ebako. Ebako. Et Papa Ebako. And for Brother Martin Fatele. Et pour le frère Martin Fatele. Those are my spiritual leaders for whom I prayed every Monday. Ce sont là mes dirigeants spirituels pour qui je priais chaque lundi. And I continued faithfully every Monday for 7 years. Et j'avais continué à le faire, à jeûner fidèlement chaque lundi pendant 7 ans. Wednesdays, les mercredis, we fasted for Cameroon. Nous jeûnions pour le Cameroun. On Fridays, les vendredis, I fasted for my house church, my local assembly. Je jeûnais pour mon assemblée locale. And for my house church. Et pour mon église de maison. When I got to Yaoundé, quand je suis arrivé à Yaoundé, I started fasting every Friday for Sister Emilia. J'avais commencé à jeûner tous les vendredis pour la sœur Émilie. She was our youth leader then. Elle était notre dirigeante des jeunes. So I was fasting for her. Donc je jeûnais pour elle. I was in her department. J'étais dans son département. I did these 3 fasts for 7 years. Et j'avais fait ces 3 jeûnes de 24 heures pendant 7 ans. It was not too much. Ce n'était pas trop. And today I'm very glad I did it. Et aujourd'hui, je suis très content de l'avoir fait. If not, how would I have had a clear conscience to have so many people praying and fasting for me? Sinon, comment aurais-je une conscience claire d'avoir tellement si grand nombre de personnes jeûnant et priant pour moi? It will be unrighteous for God to move people to fast for me when He has never moved me to fast for anybody. Ce serait injuste pour Dieu de pousser les gens, de mouvoir les gens à jeûner pour moi, alors qu'il m'a jamais poussé à jeûner pour d'autres personnes. When you receive what you have never given, quand tu reçois ce que tu n'as jamais donné,
It will judge you. Ça va te juger. I want to say one thing again about personal fasting. Je veux dire une chose de plus au sujet du jeûne personnel. I want to say what I'm saying at the personal level applies to the church. Je voudrais dire que ce que je suis en train de dire au niveau personnel s'applique à l'église. Pour l'individu. Pour l'individu s'applique à l'église. We have taught in our ministry. Nous avons enseigné dans notre ministère that the normal believer should take a three day fast each month. Que le croyant normal doit prendre un jeûne de 3 jours chaque mois. It was a recommendation that came from our experience. C'était une recommandation qui était venue de notre expérience. Especially from Brother Zach's personal walk with God. Surtout de la marche personnelle du frère Zach avec Dieu. But what is it for? Mais c'est pourquoi? One reason why people don't do things is that they don't even know why. Une des raisons pour lesquelles les gens ne font pas les choses, c'est qu'ils ne savent même pas à quoi s'attendre quand ils le font. Yeah, we just give it as a rule. Nous le faisons juste comme une règle. And it will not work. Et ça ne va pas marcher. The regular fast of 3 days or 7 days. Le jeûne régulier de 3 jours ou de 7 jours. Is to keep the enemy at a distance. C'est pour garder l'ennemi à. Tenir. C'est pour tenir l'ennemi à une distance. À distance. À distance. The regular fast of 3 days and 7 days each month, or 7 days each month. Le jeûne régulier de 3 jours ou de 7 jours chaque mois. Keeps the enemy at bay. Garde l'ennemi, tient l'ennemi à distance. It keeps temptations far. Ça garde, ça tient la tentation loin. Temptations. Les tentations, ça les garde à éloigner. It keeps the flesh under control. Ça garde la chair. Pardon, ça tient la chair sous contrôle. The love of food. L'amour de la nourriture. Uncontrollable sexual impulses. Des impulsions sexuelles incontrôlables. All sorts of addictions and habits and evil habits. Tout genre de d'habitude de péché. Oui, c'est péché. Pardon, et de mauvaises habitudes. It keeps the flesh under control. Ça tient la chair sous contrôle. Anger. La colère. Wrath. Le courroux. Explosions of lack of self-control. Des explosions. Des éclats. Par manque de contrôle, de maîtrise de soi. It keeps temptations at bay. Ça tient les tentations. À distance, éloigné. It keeps the flesh under. Ça tient la chair sous contrôle. It breaks the allure of the world. Ça brise les élans, la lue du monde. The power of the world to retain your attention is weakened. La puissance du monde pour retenir, pour captiver ton attention est affaiblie.
It makes unappealing the things of the world. Ça rend les choses du monde non attrayantes. And it makes you sense the presence of the devil easily. Et ça te fait ressentir facilement la présence du diable. You sense the enemy. Tu sens l'ennemi. You sense the enemy coming. Tu sens l'ennemi venir. The fast of 3 days or 7 days a month. Le jeûne de 3 jours ou de 7 jours chaque mois keeps the enemy at bay. Tient l'ennemi à distance. It keeps even temptations that you are very vulnerable to at bay. Ça tient les tentations auxquelles tu es très vulnérable, ça les tient à distance. It keeps the flesh under. Ça tient la chair sous contrôle. Those who love luxury, ceux qui aiment le luxe, it weakens their love and their indulgence. Ça affaiblit leur indulgence. Those who are hypersensitive to sexuality, ceux qui sont hypersensibles à la sexualité, it keeps them under control. Ça les tient sous contrôle. Those with a temper that easily flares up. Ceux qui ont des humeurs qui la colère. Ceux qui s'enflamment facilement. It brings self-control. Ça apporte la maîtrise de soi. The power to say no to sleep. La puissance, la capacité de dire non au sommeil. And control how much you sleep. Et contrôler le temps que tu mets à dormir. Et à contrôler la quantité de ton sommeil. Control how much you control your eating. Contrôler the power to control your eating. La capacité de contrôler ce que tu manges. The discipline to control talkativeness, to control your tongue. La discipline de contrôler ta langue. The fear of those who are in socially high class. La peur de ceux qui sont dans de hautes classes sociales. The attraction to physical beauty. L'attraction à la beauté. L'attrayance à la beauté physique. It keeps the flesh under. Ça tient la chair sous contrôle. Other people are not falling in the many sins that you indulge in, not because they are stronger, but because they walk with God. Plusieurs personnes ne tombent pas dans le péché dans lequel tu tombes, pas parce qu'ils sont plus forts, mais parce avec Dieu. You are constantly falling into anger or immorality or talkativeness. Not because you are weaker than other people, but because you don't walk with God. Tu tombes facilement dans la colère ou dans le bavardage ou dans l'immoralité, pas parce que tu es plus faible, mais parce que tu ne marches pas avec Dieu. To keep the enemy at bay. Pour tenir l'ennemi à distance. And when the enemy is at bay, et quand l'ennemi est tenu à distance, it makes it easier and faster for you to plug into God when you in communion. Ça facilite ta connexion à Dieu quand tu es en communion. Ça facilite la communion avec Dieu. Ça
ça rend facile la, le fait de se connecter à Dieu pour avoir la communion, pour être en communion. When the enemy is at bay, quand l'ennemi est tenu à distance, when the flesh is not tyrannizing you, quand la chair ne te tyrannise pas, when you are not under the anarchy of your appetites, quand tu n'es pas sous l'anarchie de tes appétits, connecting to God is easy. Te connecter à Dieu est facile. Hearing from God is easy. Entendre Dieu est facile. Believing God is easy. Croire Dieu est facile. Courage to move ahead is easy. Le courage pour avancer, c'est facile. Spiritual certainty is easy. L'assurance spirituelle est facile. To deal with the enemy in life. Pour traiter l'ennemi dans la vie. To handle the enemy. Pour gérer l'ennemi. In your life. Dans ta vie. So that you have a corridor of freedom. De sorte que tu as un couloir de liberté. To move on, to make progress with God. Pour faire du progrès avec Dieu. Regular short fasts. Les jeûnes, les courts jeûnes réguliers. They keep the enemy at bay. Ils tiennent l'ennemi à distance. So that you have a corridor of freedom to move ahead. De sorte que tu as un boulevard de liberté pour avancer, un couloir de liberté pour avancer. It makes daily dynamic encounters with God real. Ça rend les rencontres dynamiques quotidiennes avec Dieu réelles. It makes the sense of God actually hearing you when you are praying real. Ça rend le sens de Dieu t'écoutant véritablement. Yes. Ça fait en sorte que quand tu pries, tu peux sentir le fait que Dieu est en train de t'entendre. Au lieu d'être juste quelque chose comme que tu parles juste pour remplir un devoir sans avoir le sens que Dieu effectivement t'écoute. Qui comprend ce que je suis en train de dire? It makes the presence of God when you are praying real. Ça rend la présence de Dieu réelle quand tu pries. It makes revelation from the word of God when you read it easy. Ça facilite la révélation de la parole de Dieu quand tu la lis. Because the enemy is at bay, parce que l'ennemi est tenu à distance. You are reading of the Bible, your spirit will not be jamming. Pendant que tu lis la Bible, ton esprit ne sera pas embrouillé. Non, c'est un mot de télécommunication. C'est-à-dire, quand il y a deux ondes qui sont, quand tu il n'y a pas d'interférence, yes, dans ton esprit. If the enemy is near, si l'ennemi est proche, you are reading the Bible, he is injecting you, and you spend your time mostly fighting, so that you read one chapter and you are tired. Pendant que tu lis la Bible, il injecte des esprits, des idées, pardon, il injecte des idées, de sorte que pendant que tu lis la Bible, tu es constamment en train de lutter, et après avoir lu un chapitre, tu es fatigué. For a clear spirit. Pour un esprit clair. Limpide. So that you read the word of God and you understand. De sorte que tu lis la parole de Dieu et tu comprends. And you receive enlightenment. Et tu reçois l'illumination.
Very easily. Très facilement. When the enemy is at bay, quand l'ennemi est tenu à distance, it makes the people that talk to you, it makes it difficult for them to lie. Ça rend difficile aux gens qui te parlent. Ça les empêche en quelque sorte. Ça fait qu'il est difficile aux gens qui te parlent de mentir. De te mentir. Even the people who come near you, même ceux qui s'approchent de toi, something in them holds them under control. Quelque chose en eux les tient sous contrôle. Something breaks their lies. Quelque chose met un frein, marque un frein sur leur mensonge. Who understands what I'm talking about? Qui comprend ce dont je suis en train de parler? It keeps the enemy at bay. Ça tient l'ennemi à distance. Temptations at bay. Les tentations à distance. You sense the presence of Satan from far. Tu sens la présence de Satan à distance. It gives you ascendancy over the gravitating pull of the flesh. Ça te donne de l'ascendance sur l'attraction de la chair. It makes the glitter and the lure of the world dull. Ça rend la brillance du monde terne. Voilà. It makes fascination, pride in what you possess, very almost non-existent. Ça rend la fierté, la fascination par rapport à ce que tu possèdes presque inexistante. But when the enemy is near, mais quand l'ennemi est proche, when you bring out that your crocodile skin and back, quand tu sors ton sac de peau de crocodile, you make as if the whole world is only seeing you. Tu fais comme si tout le monde entier ne regarde que toi. When you rub that your Roxana perfume, quand tu verses ton parfum Rexona, Revlon, Evron. Avant. Why don't you know the world? You believe that everybody is smelling you. Tu crois que tout le monde sent ton parfum. But when the enemy is at bay, mais quand l'ennemi est tenu à distance, most of those things mean nothing. La plupart de ces choses n'ont pas de sens pour toi. Regular short fast. Les coups jeunes réguliers. Keep the enemy at bay. Tiennent l'ennemi à distance. And every pastor. Et chaque pasteur. Who wants to make sure that sin is not committed often in the church. Qui veut s'assurer que le péché n'est pas commis régulièrement à l'église. Often. Souvent à l'église. We have times of calling a fast of 3 days. Aura des temps où il va, des saisons où il va lancer les jeunes à l'église. Les jeunes de 3 jours, pardon, à l'église.
So that the fear of God may be in the church. Afin que la crainte de Dieu soit à l'église. So that sin may be exposed. Afin que le péché soit exposé. So that the love of the world will not enter the church. Afin que l'amour du monde n'entre pas dans l'église. So that the enemy will be at bay. Afin que l'ennemi soit tenu à distance. A local assembly. Une assemblée locale. That does not have regular seasons of 3 day fast. Qui n'a pas de saison régulière de 3 jours de jeûne. For the assembly. Pour l'assemblée. When they know what the things that are going on in that assembly, they'll be sorry. Quand ils vont savoir les choses qui se passent dans cette assemblée, ils vont regretter. It will be difficult to hide sin in a fasting assembly. Il sera difficile de cacher le péché dans une assemblée où on jeûne. Regular short fasts. Les courts jeûnes réguliers. Is to keep the enemy at bay. C'est pour tenir l'ennemi à distance. A pastor must regularly call seasons of fasting for the church. Un pasteur doit régulièrement lancer des saisons de jeûne de 3 jours dans l'église. Many pastors now don't fast. Plusieurs pasteurs maintenant ne jeûnent pas. They don't call their church to fast. Ils n'invitent pas leur église à jeûner. For the sake of the church. Pour le bien de l'église. They wait until the whole ministry is fasting. Ils attendent jusqu'à ce que tout le ministère en entier soit en train de jeûner. That is good. Ça c'est bien. But to keep the enemy at bay. Mais pour tenir l'ennemi à distance. The churches in Europe and in America. Les églises en Europe et en Amérique. Ought to fast regularly. Devraient jeûner régulièrement. To keep the culture at bay. Pour tenir la culture à distance. To keep the pressure of society at bay. Pour tenir les pressions de la société à distance. Who has understood that? Qui a compris cela? The constant fast for survival. Le jeûne constant pour la survie. For sharpening. Pour l'aiguisement. For revival. Pour le réveil. For maintenance. Pour la maintenance. And the fast to keep the enemy at bay. Et le jeûne pour tenir l'ennemi à distance. The last thing I want to say about personal fasting. La dernière chose que j'aimerais dire au sujet des jeûnes individuels. Is that if God gives you a call. C'est que si Dieu te donne un appel. A work to do for him. Une œuvre à faire pour lui. A ministry. Un ministère. There is the work of fasting. Il y a l'œuvre du jeûne. Il y a le travail du jeûne. What fasting does in the call of God on your life? Ce que le jeûne fait dans l'appel de Dieu sur ta vie. What does fasting do in the work? Qu'est-ce que le jeûne fait dans l'œuvre? What does fasting do in the call of God on your life? Qu'est-ce que le jeûne fait dans l'appel de Dieu sur ta vie? It weakens the enemy. Ça affaiblit l'ennemi. It weakens the resistance of the enemy. Ça affaiblit la résistance de l'ennemi. It flattens the mountains. Ça nivelle les montagnes. The obstacles. Les obstacles. It uproots the resistance. Ça déracine
La résistance. It fills up the valleys, what is low and deficient. Ça comble les vallées, ce qui est bas. Et déficient. Et déficient. It removes the mountains. Ça ôte les montagnes. It breaks the resistance of the enemy. Ça brise la résistance de l'ennemi. It removes Satan's interference from the call of God on your life. Ça écarte l'interférence de Satan sur l'appel de Dieu sur ta vie. It destroys the planting of Satan in your work. Ça détruit ce que Satan a planté dans ton œuvre. The planting. Ça détruit ce que Satan veut planter. Ça détruit ce que Satan veut planter. In your work. Dans ton œuvre. So there is fasting for maintenance. Dans le jeûne pour la maintenance. There is fasting for maintenance. Il y a le jeûne pour la maintenance. There is fasting to keep the enemy at bay. Il y a le jeûne pour tenir l'ennemi à distance. And there is fasting to remove the enemy from the pathway of your work for God. Et il y a le jeûne pour dégager l'ennemi sur le chemin de ton œuvre pour Dieu. How shall I describe it? Comment est-ce que je vais le décrire? When God gives you a call, quand Dieu te donne un appel, it is giving you, like giving you land, like Kume. C'est comme te donner du terrain, comme Kume. With a lot of wild things there. Avec beaucoup de choses sauvages là. Snakes. Les serpents. If you have not seen a snake since you came, you are blessed. Si tu n'as pas vu le serpent depuis que tu es venu, tu es béni. Hein? Praise the Lord. Gloire à Dieu. When God gives you the call of God on your life. Quand Dieu te donne l'appel de Dieu sur ta vie. When you know the call of God. Quand tu connais l'appel de Dieu. On your life. Sur ta vie. Many people don't understand what the call of God looks like. Et les gens ne comprennent pas à quoi ressemble l'appel de Dieu. The call of God on your life. L'appel de Dieu sur ta vie. It's like a big farm that God has given to you. C'est comme un grand champ que Dieu t'a donné. Fasting, le jeûne, is like the clearing of the grass, the removing of the stones, the tilling of the soil. Le jeûne c'est comme défricher le terrain, enlever les cailloux, labourer le sol. Fasting deals with the enemy. Le jeûne confronte l'ennemi. Le jeûne traite l'ennemi. Traite avec l'ennemi. Le jeûne traite avec l'ennemi. Who has understood me? Qui m'a compris? In the call of God on your life. Dans la paix sur ta vie. There will be big trees. Il y aura de grands arbres. On the way. Sur le chemin. If the tree is very big. Si l'arbre est très grand. Your cutlass will not do. Ta machette ne va pas t'aider. Your engine saw will not do. Ta tronçonneuse ne va pas t'aider. You may need to have a big bulldozer. Tu pourrais avoir besoin d'avoir un grand bulldozer. Your 24-hour fast is your machete. Et ton jeûne de 24 heures, c'est ta machette. Hallelujah. Amen. It will cut grass, not trees. Ça va couper les herbes, non les arbres. It will cut grass, not uproot rocks. Ça va couper les arbres, mais pas déplacer les rochers. When you want to move rocks. Quand tu veux déplacer les rochers, you call for what? Bulldozer. Tu appelles le bulldozer. Hallelujah. Amen. Now when you want to remove some rocks, maintenant, quand tu veux enlever certains rochers, you sit down, tu t'assois. And you now start planning a 40-day fast. Maintenant, tu commences à planifier un jeûne de 40 jours. It's bulldozer fast. Ça, c'est le jeûne de bulldozer.
Hey, to, because you are going to go there. Parce que tu vas aller. If the caterpillar is not strong, si le caterpillar n'est pas fort, the teeth of the caterpillar will be broken by the rock. Les dents du caterpillar seront brisées par le rocher. Who has understood? Qui a compris? The call of God on your life. L'appel de Dieu sur ta vie. Is like virgin territory. C'est comme un terrain vierge. Fasting prepares it. Le jeûne le prépare. To carry your corn. Pour prendre ton maïs. Your seed. Ta semence. And just be sowing in a farm that is full of grass and trees. Et commencer juste à les semer dans un champ qui est plein de d'herbes et des arbres. Do you expect anything? Est-ce que tu attends que quelque chose sorte de là? Nobody who has received the call of God. Personne qui a reçu l'appel de Dieu can do without fasting. Ne peut se passer du jeûne. If he knows the reality of the enemy. S'il connaît la réalité de l'ennemi. That is fasting in the work. Ça c'est le jeûne dans l'œuvre. In the work that God has called you to do. Dans l'œuvre que Dieu t'a appelé à faire. If God calls you to be a missionary to a nation. Si Dieu t'appelle à être un missionnaire dans une nation. There will be many things that Satan has planted in that nation that you need to uproot. Il y aura beaucoup de choses que Satan a plantées dans cette nation que tu as besoin de déraciner. When God sent me as a missionary to Nigeria. Quand Dieu m'avait envoyé comme missionnaire au Nigeria. And sent Ruth as missionary to England. Et avait envoyé Ruth comme missionnaire en Angleterre. I was happy. I told myself it's because Ruth fasts a lot. Et je me suis dit c'est parce que Ruth jeûne beaucoup. Because to go and work in England. Parce que pour aller travailler en Angleterre. Is to be invited to do agriculture in the Sahara Desert. C'est être invité à faire de l'agriculture dans le désert du Sahara. And the land has no revival. It is burnt and overfarmed land that is salted and wasted. Un pays qui a connu le réveil. I was happier with my Nigeria. J'étais plus content de mon Nigeria. The people still believe in God. Ces gens-là croient encore en Dieu. It is only what they want God to do that is a problem. C'est seulement ce qu'ils veulent que Dieu fasse qui est un problème. But their problem is not about believing in God. Mais leur problème n'est pas au niveau de croire en Dieu. I don't know whom I will meet in Nigeria who does not believe in God. Je ne connais pas celui que je vais trouver et rencontrer au Nigeria qui ne croit pas en Dieu. Our quarrel will be what they want God to do. Notre querelle sera au niveau de ce qu'ils veulent que Dieu fasse. Whether they will serve God or God will be their servant. S'ils vont servir Dieu ou c'est Dieu qui sera leur serviteur. That is where the gospel is. C'est à ce niveau que se trouve l'évangile. Shall we convert them to be servants of God or shall they convert God to do everything that they want? Allons-nous les convertir en des serviteurs de Dieu ou vont-ils convertir Dieu pour faire tout ce qu'ils veulent? That's an easier problem. Ça c'est un problème plus facile. Because when God knocks the head of a Nigerian two or three times, the man learns sense. Parce que quand Dieu cogne la tête d'un Nigérian deux ou trois fois, cet homme-là apprend la sagesse. They don't know how to handle problems. Ils ne savent pas comment gérer les problèmes. Two problems. Deux problèmes. They worship God all night. Ils adorent Dieu toute la nuit. I was in a bus. J'étais dans un bus. In a luxury bus in Enugu. Dans un gros porteur à Enugu. Ah, arm robbers,
surrounded us. Les braqueurs nous ont environnés. They shot at our driver. Ils ont tiré sur notre chauffeur. And we were sitting inside. Et nous étions assis dedans. Bullets passing over our head. Et les balles sifflaient sur nos têtes. I tell you, I saw all our Christianity manifesting. Je vous assure, j'ai vu tout notre christianisme se manifester. All the different churches were represented. Toutes les églises étaient représentées. The one that their pastor has told them. Dont le pasteur a dit. Just in every situation, praise the Lord. Dans toutes les situations, louez le Seigneur. He started singing a song with fear and out of tune. Il a commencé à chanter un chant avec peur et il a même dégamé. Then there was the one that the pastor has told them. Prophesy to the enemy. Speak to the enemy. Il y a ceux dont le pasteur avait dit prophétiser à l'ennemi, parler à l'ennemi. That one stood up. L'autre là s'est levé. It shall not happen. Ça ne va pas se passer. It shall not happen. Ça ne va pas se passer. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Back to tender. Back. Retourne à l'envoyer. That's why you are not in Nigeria. That day, je vous assure ce jour-là. I saw what we pastors have done. J'ai vu ce que nous, les pasteurs, nous avons fait. In fact, we had to catch one of them. Enfin, nous avons dû arrêter l'un d'eux. To force our prophet to lie down so that no movement. Pour obliger notre prophète de se coucher pour que les balles. Because they were shooting at us where there was light. So if he keeps going up and down, prophesying. Parce qu'on tirait à partir de là où il y avait la lumière, on tirait sur nous. Donc s'il continuait à avancer en prophétisant. So we forced the prophet, held him down. Nous avons tenu le prophète, nous l'avons obligé à se coucher. So that he will be alive. Afin qu'il soit vivant. Then another Igbo man was there. Et puis un autre Igbo était là. And he was not praying. Il ne priait pas. He was only talking. Il parlait juste. Ouais. Ewo. Jehovah. I just want to see my mother for the last time. Now like this, he could end like this. God, I just want to see my mother for the last time. So now like this, he could end like this. Donc c'est comme ça que ça va finir comme ça. Dieu, je veux juste voir ma mère pour la dernière fois. I wanted to tell him. Je voulais dire. Instead of wasting your time talking like that, talk to God. Au lieu de perdre ton temps à parler comme ça, parle à Dieu. But the guy just sat down talking to himself. Mais ce gars-là s'est assis juste à parler à lui-même. I saw all colors. J'ai vu toutes les couleurs. But the peace of God that passes all understanding. Mais la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. How very few people have it. Combien si peu de gens l'ont. How few of us are ready for problems? Combien peu d'entre nous sont prêts pour le problème? But if you go as a missionary to Nigeria. Mais si tu vas au Nigeria comme missionnaire. Compared to going to England. Comparativement aller en Angleterre. It's like day and night. C'est comme le jour et la nuit. Your problem will be to produce conversion in Nigeria, not meet people who don't believe in God. Ton problème sera de produire la conversion au Nigeria, pas rencontrer des gens qui ne croient pas en Dieu. In Nigeria, everybody is born again. Au Nigeria, tout le monde est né de nouveau. Like the Muslims. Même les musulmans. Are born again. Né de nouveau.
But if you receive the call of God on your life, mais si tu reçois l'appel de Dieu sur ta vie, no spiritual work. Let me take Nigeria that I know. Permettez-moi de prendre le Nigeria que je connais. Nobody has succeeded in the work in Nigeria who did not learn fasting. Personne n'a réussi dans l'œuvre au Nigeria qui n'avait pas appris le jeûne. When Kwaibo started, quand Kwaibo a commencé, Samuel Bill and one partner went to the forest every day for 100 days to pray. Samuel Bill et un partenaire, ils sont allés dans la forêt pendant 100 jours pour prier. Every day, chaque jour. Before God gave them the first convert. Avant que Dieu ne leur donne le premier converti. He learned to pray by force. Il a appris à prier par la force. Par force. The SU revival in Eastern Nigeria in 1966. Le réveil SU à l'est du Nigeria en 1966. It came with fasting. C'est venu avec le jeûne. Mike Oye and many of the other leaders then, some of them were fasting 30 days, complete fast, drinking only water, 30 days every 3 months. 30 days every 3 months. Mark Oye et beaucoup d'autres dirigeants, la plupart d'entre eux jeûnaient 30 jours de jeûne complet, buvant seulement de l'eau chaque 3 mois. Buvant seulement de l'eau. 30 jours tous les 3 mois. Oui, 30 jours tous les 3 mois. That's what brought the revival in Eastern Nigeria. C'est ça qui a provoqué, produit le réveil à l'est du Nigeria. And there were 100,000 conversions in 1 month. Et il y avait 100,000 conversions en un mois. It is that generation of those who were saved during the early SU revival that are now the big preachers in Nigeria. C'est certains de ceux qui étaient sauvés pendant ce réveil de SU qui sont maintenant de grands prédicateurs au Nigeria. The white garment churches, they have no message, they have no doctrine, but they fast. Le christianisme céleste, ils n'ont pas de message, ils n'ont pas de doctrine, mais ils... I say white garment churches, les religions syncrétistes. Les religions syncrétistes, ils n'ont pas de... Ils n'ont pas de message, ils n'ont pas de doctrine, mais ils... I say white garment churches, les religions syncrétistes. Les religions syncrétistes, ils n'ont pas ils n'ont pas de message, ils n'ont pas de doctrine, mais ils jeûnent. They fast. Ils jeûnent. You see some very many old, dirty prophetesses. Et tu vois beaucoup de prophétesses très vieilles et sales. Living near some small river to be fasting. Vivant près d'un petit coup d'eau pour jeûner. I have not seen many prophets. I see mostly prophetesses. Je n'ai pas vu beaucoup de prophètes. J'ai surtout vu les prophétesses. And many of them, et la plupart, beaucoup d'entre eux, they are solid stock. Ce sont des femmes solides, des femmes avec solides. Un centre de gravité basse. Et la tête de ceux qui sont têtus. And they fast. Et elles jeûnent. And fast. Et jeûnent. People don't go to them for a message. Les gens ne vont pas vers elles pour avoir un message. They go to them for power. Et les gens vont vers elles pour avoir la puissance. For power. Pour la puissance. They want something to happen. Ils veulent que quelque chose se passe. But it is at great cost. Mais c'est à grand coût. Many repeated fast of 40 days. Plusieurs jeûnes répétés de 40 jours. The Redeemed Christian Church of God. L'église chrétienne des rachetés de Dieu. They found that
a 3-21 day fast every year. Le fondateur prenait 3 jeûnes de 21 jours chaque année. With a monthly fast of 7 days. Avec un jeûne mensuel de 7 jours. And when the present leader took over, et quand le dirigeant actuel a pris la relève, he took his 40 day fast every year. Il prenait son jeûne de 40 jours chaque année. The growth was triggered by fasting. La croissance a été déclenchée par le jeûne. If you don't want that one, si vous ne voulez pas l'autre là, then you can have the growth of EQUA, Evangelical Church of West Africa. Donc alors vous pouvez avoir la croissance de EQUA. That one they grew with blood and martyrdom and death. Cela ont grandi par le sang et le martyre et la mort. The first 7 missionaries who came from England all died. Tous les 7 premiers missionnaires qui sont venus de l'Angleterre sont morts. In Nigeria. Au Nigeria. They fertilized the soil before they started earning fruit. Ils ont fertilisé le sol avant de commencer à porter du fruit. If you don't mind, if CMFI has 7 missionaries to send, each one who will go there and die, the next one come and die, the other one come and die. When we have finished sowing death 7 times, God will give us harvest. Si vous voulez comprendre, c'est que la CMC envoie le missionnaire. Le premier par exemple. Merci Seigneur de nous avoir instruits sur ces 3 niveaux de jeûne. Le jeûne pour la maintenance. Le jeûne pour maintenir l'ennemi à distance. Et le jeûne pour dégager l'ennemi sur le chemin de la paix de Dieu dans notre vie. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Oh, notre Dieu, parce que tu nous équipes pour l'avenir de ton œuvre. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Lord, hide your word in our hearts. Father, please hide this word in our hearts. And may it bear fruit in our lives. And may it bear fruit in the lives of those whom we lead. We pray in the name of the Lord Jesus Christ that our fasting life will never be the same. We thank you for light. We pray that the light will shine. It will shine, oh God, across the nations that are gathered here. In the name of the Lord Jesus Christ. We thank you for a brand new day. And we give you all the glory. Father, I confess that I'm most encouraged. I'm not only advanced, but lifted up, oh Lord God. And I love you for being a wonderful teacher. Oh, blessed Holy Spirit. Thank you for coming to our aid. In Jesus' name, amen. Ah, merci pour ces 3 catégories de jeûnes. Et merci particulièrement, Seigneur, pour le jeûne, Seigneur notre Dieu, pour ôter les obstacles, pour déplacer les montagnes et combler les vallées qui se tiennent sur la voie de l'appel de Dieu, Seigneur, dans nos vies. C'est merci parce que le prince satanique de Douala était renversé. Mais cependant, Seigneur, tu viens de me faire comprendre, oh Seigneur, qu'il y a encore des obstacles, Seigneur notre Dieu. Oh Dieu, qu'il y a encore des vallées qu'il faudrait combler pour que la moisson rentre. Seigneur, merci beaucoup, Seigneur. Et pour cela, il faut des jeunes et des jeunes. Gloire et louange à toi, Seigneur. Oh Dieu, viens, Seigneur, avec nous et accorde-nous, s'il te plaît, de presser de l'avant. Au nom de Jésus, amen. There are the fasting ministry. Il y a le ministère du jeûne. And there are the fasting movements. Et il y a les mouvements de jeûne. God willing, Dieu voulant, we may do that tomorrow. Pourrons faire traiter cela demain. God bless you. Que Dieu vous bénisse.